Seriously. 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 La prof d'anglais. La dette ça. Bah le seul mode lui à Poudlard. Ouais, pareil. Sport. Ouais. Oh là, fouf. Je préfère être la seule mode lui à Poudlard. Ça me permet d'être Hermione Granger, c'est pas mal. Poudlard. Mais alors là, mais emmenez-moi à Poudlard. Franchement, monter à la corde, j'aurais un corps de rêve. Mais je suis incapable de le faire pour le moment, donc voilà, ça serait très drôle. 10 fois par jour la corde ? Ouais, 10 fois par jour la corde, ça se tente. Après, t'es beau gosse et tout, enfin, ça peut travailler. Monter 10 fois la corde. Ceci dit, le seau d'eau est pas mal aussi. Ah, ça peut réveiller. Non, mais la corde, en vrai, quand on sait les effets que ça fait, on préfère la corde. Bah. Bien évidemment. Bien évidemment. À regarder chaque mois mon film que je déteste. Mais oui, moi aussi, mais on a toujours les mêmes réponses. Mais c'est parce qu'on est connecté. Je pense que j'ai assez de bons souvenirs de ma série préférée et que je vais lui dire adieu. Ne pas revoir ma série préférée. C'est un peu catégorique. Moi, je sais pas, j'ai pas d'autre chose à dire, mais ça prendra beaucoup moins de temps. 3 à toutes les matières. 3 à toutes les matières. Je suis pas psy. J'étais l'intello, moi, donc chef de classe, clairement. J'étais vraiment la geekos intello. Ouais. La bolos. Bon, je vais être chef de classe. Chef de classe, ouais. Écoutons les doléances. Ça m'empêchera pas d'avoir 3. Oh non, ça se fait pas. C'est pas possible de dire ça. Non, mais j'ai trop évolué entre les deux. C'est qu'une continuité, donc ça va vers autre chose. Je réponds pas. C'est un joker. Je peux pas. À lire dans les pensées, sublime. Mais par contre, ça doit être infernal parce que ça n'arrête jamais. Ça doit être un peu assourdissant au bout d'un moment. Ouais, lire dans les pensées, ouais. En même temps, quoique, parler aux animaux, tu peux te faire un business de ouf, hein. Tu te ferais un petit cirque un peu comme ça, genre qui est un peu sorti de l'ordinaire, ça peut être cool. Jamais lire dans les pensées des gens. Genre vraiment, la chose que je refuserais catégoriquement si on me proposait un pouvoir, je trouverais ça nul. Enfin, d'ailleurs, dans Misfits, elle en a marre. Hein. Il est horrible ce pouvoir, il est nul. Non, mais parler aux animaux, c'est génial. Moi, bon, et puis je deviendrai vegan par la même occasion, ce sera top. Lire dans les pensées. Alors, lire dans les pensées, je pense que c'est affreux. Parler aux animaux, let's go, comme ça, tu t'ennuies pas et tout, c'est chouette, mon chat. Je ferai connaissance avec lui, ça fait 13 ans qu'on vit ensemble. Bon, il m'a pas dit grand chose. Ah, moi, la peau de mon personnage, elle est trop rigolote. Ah, si, c'est sûr. Invisible, c'est relou quand même. JP, il est pas très drôle. Hein, quand un même, soir hein, de gros stuff. Ouais, mais justement. Tu rates tout, quoi. Si tu tombes la mauvaise semaine, franchement. Ouais, ça se trouve, tu peux passer à côté de la personne de ta vie et tu la vois pas, elle te voit pas. Enfin, tu la vois, mais elle te voit pas. Bah, donc, tu te rattrapes en semaine B après. Allez, on va dire JP suis. Comme ça. Oh là, vous montez ça à des comédiens. Mon personnage, largement, au secours. Bon, après être invisible, ça peut être fun, mais 5 minutes quoi, une semaine sur deux. Mais je peux choisir d'être invisible ou je suis invisible une semaine sur deux? Ah ouais, mais relou, parce que t'as des trucs à faire et invisible c'est relou. Non, je vais être dans la peau de mon personnage. Ouais, il est chouette et tout, il est sympa. Ah, tu vois, pareil, prédire l'avenir, Bourbier, revenir dans le passé. Comme ça, on se casse un peu parce que je la sens pas trop, là, la période. Je vais y aller, mais keep strong, ça paraît compliqué, là. Franchement, ni l'un ni l'autre. Du coup, c'est pas un tu préfères, c'est quoi le moins pire pour moi, plutôt? Le moins pire, ce serait aller dans le passé. Prédire le futur, c'est pareil que dire dans les pensées d'un genre, l'enfer. Ah, franchement, moi, je dirais prédire le futur. Bah, si quand tu reviens dans le passé, tu peux changer quelques trucs de maintenant, oui. À choisir, ça, oui. Je reviendrai dans le passé. Ça, oui. On peut choisir son année ? Il n'y a pas de règle, Nina. Ok, bah allons-y. Allez, c'est parti.